Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette sixième matinale du Forum des leaders éclairés. Nous accueillons aujourd'hui Hélène Bernicot, qui est directrice générale du Crédit Mutuel Arkéa. Bonjour Hélène. Bonjour Muriel, bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, nous sommes, comme on fait d'habitude, là maintenant, on est dans cette sixième matinale, donc je sais que certains d'entre vous sont des fidèles, je sais qu'il y a des gens qui viennent pour la première fois. Donc, en fait, on va passer 7h30 ensemble autour de cette thématique du leadership. Donc, voilà, et en attendant que les gens viennent, que les participants s'inscrivent, nous rejoignent, je voulais remercier d'abord tous les partenaires et les sponsors qui nous accompagnent dans ce forum et qui font en sorte que ça puisse rayonner et exister, en fait. Je remercie également mes collaboratrices et je remercie particulièrement Corinne Bénet qui dirige Mouvement Perpétuel et qui est notre agence de communication événementielle sur cet événement-là. Et puis, ma collaboratrice Angélique Grandjean qui vous envoie les invitations, qui relance, qui anime les réseaux aussi et qui fait en sorte que vous puissiez être de plus en plus à participer à ces matinales. Voilà, donc ça, c'est les… Ah, ben, je vois que les gens commencent à venir. Bonjour Marie-Hélène, bonjour Christine. Donc, plein de monde à cette matinale. Je voulais partager une information qui est extrêmement importante puisque ça fait l'avant-dernière matinale qu'on va passer ensemble. La prochaine sera le 14 juin et elle sera animée par Gérald Carsanti sur les thématiques effectivement alors de leadership, mais de leadership et de modèle sociétal. Donc, extrêmement intéressant. On prendra encore de la hauteur cette fois-ci. Et puis, comme je vous l'avais expliqué dans nos différentes matinales, le point d'ordre, en fait, ça va être et enfin notre soirée des leaders éclairés. Je dis enfin parce que pour des raisons que vous n'ignorez pas, c'est que ça fait trois fois qu'on la reporte. Donc là, vraiment, elle va avoir lieu et elle va se passer le 12 juillet à Valpré, à Lyon. Et cette soirée se passe en quatre temps forts. Donc, le premier, c'est des ateliers expérientiels donc autour du leadership éclairé où justement les dirigeants présents, puisqu'on va accueillir jusqu'à 200 dirigeants, vont pouvoir explorer entre pairs leurs aptitudes de leadership et notamment les 9 aptitudes de leadership. Donc ça, c'est le premier temps fort, extrêmement innovant parce que c'est un format qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ensuite, une fois qu'on aura expérimenté, deuxième temps fort, on va pouvoir vivre une plongée immersive au cœur du leadership éclairé avec notamment deux keynotes d'honneur, Fanny Laitier, qui est cofondatrice de Généo, Société de Capital Entrepreneur, et puis Denis Coquet, qui est fondateur d'Arkenaos. Et eux vont pouvoir, au travers d'un regard croisé, nous expliquer et partager les changements de paradigme pour réconcilier la croissance financière et la richesse humaine. Donc, voilà, un beau programme. Sera suivi par un troisième temps de partage et d'échange de dirigeants sur leur nouveau modèle de leadership et de savoir comment ces dirigeants d'entreprise ont… pourquoi et comment ils sont passés de dirigeants brillants à leaders éclairés. Ils nous expliqueront et nous partageront leurs expériences, savoir comment ils ont fait cette transformation à la fois individuelle et collective, donc au travers d'une table ronde. Donc ça, c'est le troisième temps. Et puis, bien sûr, le quatrième temps, ce sera un temps de cocktail, d'échange, de partage, comme ça fait très longtemps qu'on en attend. Et on est très, très avides de pouvoir se rencontrer à nouveau en chair et en os. Donc voilà, donc je vous invite à pouvoir… On a ouvert les demandes de participation à cette soirée. Cette soirée, elle est gratuite hein, et elle est réservée aux dirigeants d'entreprise de plus de 150 salariés puisqu'on a dû, compte tenu du quota qui nous est imparti, faire une sélection. Et donc, voilà, mais je vous invite à faire une demande d'invitation et en laquelle nous pourrons y répondre et vous dire si effectivement… vous pourrez nous rejoindre parmi cette soirée-là. Donc voilà, donc les invitations sont ouvertes. Vous allez recevoir via LinkedIn ou via les campagnes email les demandes d'invitation et vous pouvez aller directement sur notre site pour pouvoir le faire aussi. Voilà, on est 97, c'est bien. Je pense que effectivement ça va monter encore, ça monte encore. On va attendre les centièmes. Donc je vous invite à pouvoir dès à présent aller sur le site. Vous avez la possibilité aussi de revoir les replays puisque on est là cette sixième matinale et qu'on a déjà reçu, vous avez peut-être assisté à celle de Florent Mengot, à celle de Catherine Touvray, à celle de Nicolas Sabatier, à Denis Coquet qui est intervenu aussi, donc en François Ayant qui a commencé dans cette matinale. Donc, vous pouvez aller sur notre site et puis vous inspirer de ces grands témoins
qui témoignent justement des nouvelles voies du leadership. Alors, maintenant que nous sommes rentrés, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, je suis Muriel Montagnier. Je dirige un cabinet que j'ai monté il y a 10 ans et qui s'appelle HMR Consulting. Notre métier, c'est d'accompagner les transformations individuelles et collectives à fort enjeu humain. Donc, voilà, on est au cœur de l'écosystème de l'entreprise et c'est notre terrain de jeu. Dans ce cadre-là, on exerce à la fois une fonction de conseil en organisation management, à la fois de la formation et à la fois du coaching de dirigeants. J'ai créé la fabrique il y a 2 ans maintenant, avec 3 enjeux en fait, 3 objectifs. Le premier, c'est de pouvoir éclairer les enjeux actuels, explorer les nouvelles voies du leadership. Pour ça, eh bien, nous avons depuis le mois de janvier commencé un think tank dans laquelle nous réunissons à la fois des chercheurs et des dirigeants, et on réfléchit à comment est-ce qu'on peut, aux problématiques actuelles, aux enjeux actuels, qui sont comment est-ce qu'on réconcilie effectivement le profit, la planète et le people, hein, les fameux 3P, donc au travers de nouvelles formes d'organisation et au travers du leadership. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est bien justement de permettre à des dirigeants de révéler leur potentiel individuel et collectif de leadership. Et pour ça, eh bien, nous avons inventé des parcours d'accompagnement de dirigeants avec des intervenants de haut vol qui permettent justement de pouvoir expérimenter le leadership, de pouvoir se transformer, de pouvoir échanger au niveau des pratiques, de pouvoir s'inspirer de témoignages de grands dirigeants également. Et puis, et ces parcours sont à la fois holistiques et à la fois basé sur l'expérientiel, ce qui en fait une expérience extrêmement innovante et surtout très efficace pour pouvoir après déployer et accompagner les transformations d'entreprise. Donc ça, c'est le deuxième axe. Le troisième, c'est parce qu'il nous fallait une caisse de résonance et puis parce que les dirigeants, quelquefois, se sentent certainement seuls et ont besoin d'échanger entre pairs, c'était de pouvoir justement leur permettre, au travers de clubs de codev, de pouvoir continuer à expérimenter leurs pratiques. Parler de leurs expériences, expérimenter et puis justement confronter et éprouver leur leadership. Donc nous lançons à partir du mois de septembre le club de codev, enfin plusieurs clubs de codev, puisque vous aurez la possibilité d'intégrer soit un club local, soit un club au niveau national, soit un club au niveau international. On a déjà pas mal de demandes dans ce cadre-là. Et puis ça servira, pourquoi ce club-là? Parce qu'on avait besoin d'avoir un question de résonance par rapport au think tank, que ce think tank ne soit pas juste un organe de pensée, mais aussi un organe pour agir. Et donc, à la fois les parcours et à la fois ces clubs vont nous permettre et vont permettre aux dirigeants de confronter effectivement les idées du think tank, de les expérimenter et de faire un retour d'expérience par rapport à ça pour qu'on puisse être réellement efficace et que ça soit réellement opérant sur le terrain. Donc, voilà ce qui abrite la fabrique. Et puis, ce forum, justement, est là avec nos grands témoins dont Hélène fait partie et qui a gentiment accepté de témoigner aujourd'hui de ce qui se passe au sein de la fabrique. Hélène, d'abord, merci d'être venue et de témoigner aujourd'hui. Encore merci d'avoir répondu à cet appel. Alors, la particularité, j'aime bien expliquer à chaque fois pourquoi est-ce que j'ai cherché pourquoi Hélène et pourquoi pas quelqu'un d'autre. Et là, en fait, c'est un peu particulier. Notre rencontre avec Hélène, elle est un peu particulière parce qu'en fait, c'est pas moi qui suis venue la chercher. Ce sont ses collaboratrices qui sont venues me dire, écoutez, Muriel, ce que vous dites dans la fabrique, les convictions que vous défendez, nous, ça nous parle parce que c'est réellement ce qu'on a mis en œuvre dans l'entreprise, c'est réellement ce que porte notre entreprise. Et on aurait vraiment bien envie de vous faire rencontrer Hélène Bernico parce que pour qu'elle vous en parle et parce que nous, on est témoins que ça se passe, comme ça. Donc ça a déjà attiré mon attention. Puis après, quand j'ai regardé ce que c'était et un peu plus approfondi, de manière un peu plus approfondie, ce que faisait Crédit Mutuel et Arkéa Banque, et puis le domaine, effectivement, l'environnement bancaire, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes, d'accord, qui étaient à la tête d'un grand groupe bancaire. Donc ça, c'est vraiment, ça m'a plu et conforté une première fois. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'une femme a à dire de particulier et comment
elle mène les choses de manière un peu différente. Et puis, la deuxième chose, c'est que je me suis dit, ce qui est intéressant, c'est non seulement Hélène et ses équipes explorent, et elle va vous en parler, ces nouvelles voies du leadership à l'intérieur de l'entreprise, mais elles en ont fait quelque chose de très cohérent et de très aligné, parce qu'en fait, ça va jusqu'au client, jusqu'à l'accompagnement et jusqu'à la création de valeur et la proposition de valeur qu'elle fait vis-à-vis de ses clients. Donc, je me suis dit qu'un environnement bancaire, financier, qui accompagnait cette transformation en interne et aussi en externe dans son écosystème, là, j'ai trouvé qu'on avait des clés très, très intéressantes et que ça accompagnait les transformations. Parce que, comme vous le savez, la conviction, c'est que dans une entreprise, il y a tout un écosystème. Il y a les dirigeants, mais il y a aussi les financiers et que cet écosystème accompagne aussi vraiment la transformation qu'on est en train de vivre. Donc, c'est pour ça que je suis allée voir Hélène et je vais lui poser la question. Et puis, c'est la première question que je vais lui poser, c'est Hélène, dites-nous, c'est quoi ces convictions? C'est quoi ce que vous défendez en interne? C'est quoi ces valeurs? Et comment est-ce qu'en interne, vous réussissez à les mettre en œuvre? Donc, je vous laisse la parole, Hélène. Allez-y. Vous m'entendez, Hélène? Oui, je vous entends. Merci beaucoup Muriel pour cette invitation et puis cette présentation. Je suis ravie aujourd'hui d'être là parmi vous. Merci aussi à Sophie, puisque c'est notamment la collaboratrice, je crois, qui vous a contacté, et j'en suis très touchée d'ailleurs, je tiens à lui dire aujourd'hui. Alors mes convictions, alors je vais les partager d'autant plus que donc ça fait un peu plus d'un an maintenant que j'ai pris la direction générale du Crédit Mutuel Arkéa, un groupe coopérative bancaire de plus de 10 000 collaborateurs, d'une certaine taille. Et forcément, avant de prendre cette responsabilité, je me suis posé un certain nombre de questions, et ces questions m'ont amené finalement à venir sur des convictions et à me dire que j'avais peut-être des choses à apporter à cette entreprise dans un monde qui bouge énormément aujourd'hui. Alors, quelles sont-elles? Je crois qu'elles sont deux ordres. D'abord, ce sont des convictions assez générales sur ce que doit être la finance, sur ce que va être, selon moi, la finance dans les prochaines années. Et notamment, je suis absolument convaincue que nous devons aujourd'hui, collectivement, il y a un vrai consensus sur ce sujet, réinventer totalement nos modèles économiques. Réinventer nos manières, j'allais dire, de vivre, de consommer, de produire, de travailler. Et tout cela, et vous l'avez dit tout à l'heure, pour mieux concilier effectivement la performance, la planète et la personne. Donc, c'est les 3 P dont on parle. Je crois qu'il y a un vrai consensus basé d'ailleurs sur un consensus scientifique qui tout simplement est de dire on ne peut plus continuer comme ça, ou sinon, finalement, assez rapidement, on va avoir des impacts extrêmement graves sur la planète. Et à partir de là, la question est comment ? C'est-à-dire comment on adresse ce sujet, et pour adresser ces sujets, effectivement, il faut faire bouger nos modèles économiques. Et à partir de là, je suis également convaincue qu'il y a besoin de financer ces transitions. Pour les financer, il y a besoin de tous les acteurs, il y a besoin de l'État, certes, mais il y a besoin aussi de la finance. Et donc, la finance a un rôle majeur. La finance peut être un instrument, finalement, d'un monde plus durable, j'allais dire, osons dire, d'un monde meilleur, et j'en suis intimement convaincue. Et je crois que c'est peut-être une belle manière de redonner ces lettres de noblesse à ce métier qui a été pas mal décrié, notamment après la crise de 2008. Et je crois que vraiment la crise qu'on vient de vivre l'année dernière a permis finalement d'accélérer cette prise de conscience collective, à la fois de cette nécessité de changer, mais du fait que ce changement pouvait être une opportunité, et que les banques, la finance avaient un rôle à jouer pour justement orienter finalement les flux de capitaux vers des activités à plus fort impact. C'est ce qu'on appelle la finance durable, la finance responsable. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que c'est une vision qui repose à la fois sur une vision éthique et de long terme de la finance, qui doit concilier à la fois des exigences économiques à court terme, mais aussi la prise en compte des impacts environnementaux et sociaux long terme dans l'ensemble des décisions. Donc, c'est là où c'est une petite révolution, puisque ça va nous conduire à revoir complètement nos modes de réflexion, nos modes d'analyse, nos modes d'action et nos modes d'évaluation. Donc voilà la première conviction qui est très forte, puisqu'en fait, elle porte quelque part une vision sur les prochaines années de la finance. À partir de là, ma deuxième conviction, c'est que vu la complexité des enjeux, il faut qu'on bouge collectivement. Et pour bouger collectivement, pour apporter des solutions à tous,
il faut différents modèles. On a besoin de différents modèles de développement. Et je suis convaincue que les atouts absolument clés pour faire bouger les lignes sont d'abord la décentralisation, la proximité, parce qu'en fait, il va falloir apporter des solutions sur mesure à nos différents clients, à nos différentes parties prenantes. Le deuxième atout absolument essentiel, c'est l'agilité. C'est-à-dire, il faut qu'on bouge, il faut qu'on s'adapte. Le monde bouge autour de nous, et donc un des enjeux clés pour les entreprises, c'est de pouvoir s'adapter à ce monde qui bouge autour de nous. Le troisième point, c'est que c'est un sujet de long terme. C'est un sujet extrêmement complexe. C'est bien d'avoir des convictions, de dire des choses, mais pour agir, on voit bien qu'il va falloir prendre le temps et accompagner. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour donner des leçons, on est là pour accompagner. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a, nous, en tant que banquiers financiers, certes un impact direct, mais on a surtout un impact indirect et surtout un rôle d'accompagner nos clients dans les transitions. Et c'est là où on va avoir un vrai impact sur la société. Donc voilà des convictions fortes et des convictions qui sont justement portées, enfin en tout cas des atouts, des caractéristiques qui sont portées par un groupe coopératif comme Crédit Mutuel Arkéa, qui est effectivement décentralisé, qui est très attaché à la proximité, au temps long, à la place de l'humain et au nécessaire équilibre, c'est un terme important, entre le court terme, le long terme, l'économique et ce qu'on appelle l'extra-financier. J'avais une question, Hélène. Je reviens sur le premier point, en fait, parce que c'est ce qui explique le pourquoi, en fait, et c'est toujours ce que j'interroge, parce qu'on voit, on parle quand on parle de la finance, effectivement, on parle des valeurs, et vous avez raison, il y avait besoin de réconcilier la finance avec le monde économique, en fait, hein, parce que l'image est perdurée. Les épisodes qu'on vit dans la finance avec les fonds actifs, par exemple, et avec l'histoire de Danone, est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un mouvement de fond, Hélène, pour vous? Comment voyez l'avenir par rapport à ça? Est-ce que il y a des banques qui vont prendre carrément ce virage? Est-ce que vous êtes nombreux à le prendre? Est-ce que vous l'avez déjà pris par ailleurs il y a des années? Comment vous voyez-vous ce mouvement s'inscrire? Est-ce qu'il y aura toujours des gens qui vont raisonner court terme? Ou d'autres qui vont accompagner le moyen long terme? Comment est-ce que vous voyez le paysage des futurs acteurs de l'économie par rapport à ça? Alors, je suis convaincue que c'est un mouvement de fond. C'est un mouvement qui démarrait, on va dire, le lancement. Hein. On voit bien que les sujets de RSE, responsabilité sociétale d'entreprise, sont des sujets qui peuvent entrer dans les entreprises il y a maintenant quelques années. Mais là, il y a vraiment une accélération très forte. Alors déjà, avec la loi PACTE, hein, et la possibilité d'inscrire une raison d'être dans les statuts des entreprises. Mais là, avec la crise de l'année dernière, je suis absolument convaincue que ce mouvement va amener une petite révolution au sens large dans la finance. On voit d'ailleurs qu'il y a un tsunami réglementaire, de toute façon, qui va quelque part, j'allais dire, quasiment contraindre la finance à aller dans cette voie-là, au risque finalement de perdre sa place. Et finalement, la finance, elle a vraiment trois rôles. Hein. Elle a un premier rôle qui est d'inscrire dans sa gestion des risques, pour le coup, le risque climatique et ses différents impacts, tout simplement parce que il y a derrière de la valeur. C'est-à-dire que il ne faut pas opposer exigence économique court terme et impact à long terme. Les deux sont complètement liés. Et ma conviction, qui est celle de beaucoup aussi de dirigeants, c'est que à terme, les entreprises qui seront économiquement rentables, ce sont les entreprises qui auront pris en compte ces enjeux économiques et sociétaux dans leur stratégie, dans leurs décisions. Donc, le sujet d'Eric, c'est le premier. Le deuxième sujet, c'est l'orientation des flux vers des activités, vers les transitions. Mais parce qu'aussi, on sait que les modèles qui n'auront pas engagé ces transitions, probablement, demain, après-demain, n'existeront plus. Donc, c'est aussi essentiel. Et le troisième point, c'est qu'il y a un besoin, une attente de transparence de la part de nos clients, tout simplement. Et nos clients attendent de la transparence et souhaitent de l'impact. Et aujourd'hui, les discussions qu'on a avec nos clients portent, elles portent parfois sur le prix, sur la rentabilité, mais elles portent aussi avant tout sur le sens qu'ils ont envie de donner à leur argent. Et je crois que ça, c'est aussi un mouvement fort qui vient de la société, qui vient des clients. Et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est vraiment quelque chose qui va nous accompagner dans les prochaines années. Et c'est pas simplement un sujet conjoncturel de mode, si je puis dire. Oui, c'est pas un effet finance durable, greenwash. Quoi, en voilà. C'est vraiment dans une logique, un accompagnement sociétal. Tout à fait. C'est pas un effet de mode et c'est la raison pour laquelle ce qui va être essentiel, c'est la manière de nous évaluer, la manière d'auditer ce que l'on fait. Puisqu'effectivement, il va y avoir beaucoup de communication. Il y a déjà beaucoup de communication sur ces sujets. Tout l'enjeu derrière, ça va être de passer des discours aux actes
et de pouvoir évaluer, justifier, mesurer finalement ces impacts pour que, et là on en vient à la transparence, pour que l'ensemble des acteurs puissent quelque part juger des entreprises qui font ce qu'elles disent et de celles qui disent et ne font pas derrière. Voilà. Alors, pour poursuivre, je crois que ce qui est également essentiel face à la complexité des enjeux qui nous font face, c'est de créer au niveau de l'entreprise des environnements qui permettent l'expression, j'allais dire, de chacun, l'expression de tous les talents. Pour l'appeler autrement, je crois vraiment à l'entreprise inclusive. Alors, je ne dis pas que c'est simple et je ne dis pas que ça se décrète, c'est extrêmement compliqué à mettre en place, mais je pense que c'est vraiment essentiel. Je pense qu'aujourd'hui, c'est probablement pas le cas dans beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire qu'on découvre un certain nombre de choses. Et pour moi, l'inclusion, c'est pas simplement le sujet de la mixité, le sujet du handicap, le sujet des seniors. C'est globalement comment l'entreprise fait en sorte que l'ensemble des talents puissent s'exprimer et que finalement l'intelligence collective soit, j'allais dire, utilisée au maximum de ce qu'elle est. Et c'est prendre conscience qu'en fait, chaque individu a un talent spécifique et que c'est en permettant à chacun de ses talents de s'exprimer que l'entreprise sera meilleure. C'est une conviction extrêmement forte. À partir de là, voilà, pour passer à l'action, ce que je disais tout à l'heure, c'est quelque chose de très complexe. Parfois, en fait, le fait de travailler sur un certain nombre de thématiques type la mixité, type le sujet du handicap, type les seniors, ça permet d'identifier les freins, ça permet de trouver les moyens justement d'être une entreprise plus inclusive. Donc j'ai vraiment une conviction très forte autour de la force du collectif, tout simplement parce que les enjeux sont extrêmement complexes et tout simplement parce que je suis aussi persuadée, ça m'amènera à mon point suivant, que le leader, ce n'est pas celui qui sait tout aujourd'hui, c'est pas, de toute façon ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Et c'est bien en réussissant à créer des environnements pour que les singularités, les individualités puissent s'exprimer, qu'on est plus fort en réalité, j'allais dire, et en plus qu'on est moins seul, et ça fait partie aussi peut-être de la sérénité aussi du dirigeant que de ne pas considérer qu'il sait tout mieux que chacun de ses collaborateurs. Je suis convaincue que c'est pas le cas. Donc en fait, Hélène, si je reprends un peu vos termes, le premier point qui est important, vous dites, c'est s'appuyer sur l'intelligence collective, parce qu'effectivement, la complexité fait que, et là, vous dites, dans un cadre inclusif, dans un cadre où toutes les parties sont prises en compte et pas le « et », en fait, enfin, le pas le « ou », mais le « et », en fait, hein, donc toutes les intelligences. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et après vous nous expliquerez comment, hein, vous vous mettez en œuvre dans l'entreprise, là, c'est pour l'instant vous donner les quelques points, les recettes de cuisine, mais après c'est comment on le met concrètement. La deuxième point, c'est le dirigeant en fait, c'est ce que vous dites, c'est le dirigeant, lui, il est plus, il doit changer ses paradigmes parce qu'il est plus omniscient, omnipotent. Il est d'abord, est-ce que il dirige plus tout seul en fait, j'imagine, enfin il était déjà accompagné, mais là c'est plus que jamais. Et donc, vous dites que lui, il doit changer aussi ses paradigmes. C'est quoi ces paradigmes-là, en fait ? C'est quoi ce qu'il doit changer ? Alors, déjà, je pense que effectivement, je pense qu'à un moment, le pouvoir pouvait être associé simplement à un statut, puis probablement à une espèce de compétence, j'allais dire absolue, en tout cas considérée comme une capacité à détenir la vérité qui peut-être pouvait être perçue de cette manière-là. Et aujourd'hui, je pense que le leader de demain, c'est surtout quelqu'un qui a une vision, qui donne du sens et justement qui a cette capacité à créer des environnements où les différentes personnalités, les différentes compétences peuvent s'exprimer. Je pense que le leader, c'est ça aujourd'hui, tout simplement parce qu'à nouveau, la complexité des enjeux est telle qu'on a besoin de l'intelligence de chacun, on a besoin, et on sait, on est tous différents, on ne voit pas tous les choses de la même manière, et c'est absolument essentiel de pouvoir faire vivre au niveau de l'entreprise et à démarrer par le plus haut niveau. Et j'y viendrai tout à l'heure au niveau des petits exemples que nous pouvons avoir au Crédit Mutuel Arkéa, mais c'est effectivement quelque chose auquel je crois beaucoup, c'est-à-dire travailler ensemble. Et tout ça va assez loin, puisque ça veut dire qu'on a un mode de management qui s'appuie évidemment sur la confiance, aussi sur l'écoute. Forcément, à un moment, il faut décider, mais c'est d'abord en se plaçant dans une posture d'écoute, potentiellement dans une posture de questionnement, pour ensuite pouvoir prendre une décision en tenant compte des différents éclairages
finalement, et qui permet, de mon point de vue, de prendre la meilleure décision possible. Donc, vraiment un leader qui est là pour donner la vision, donner le sens et créer des environnements finalement inclusifs, ou en tout cas qui permettent à chacun de pouvoir s'exprimer dans l'intérêt du collectif. Et pour Hélène, vous, cette démarche-là, vous l'avez eue, vous êtes réveillée un matin en vous disant il faut changer le paradigme, ou est-ce que c'est un cheminement que vous avez fait? Comment ça vous est venu, en fait? C'est clairement un cheminement, hein. C'est pas des choses qui viennent comme ça, et puis c'est des choses assez compliquées à mettre en place. C'est des choses déjà qu'on a expérimentées avant que j'arrive, bien évidemment, au sein de Crédit Mutuel Arkéa. On travaille beaucoup sur les méthodes participatives, on travaille beaucoup sur le fait, sur un certain nombre de sujets, d'avoir des ambassadeurs au niveau de l'entreprise pour en fait diffuser et partager les meilleures pratiques. Et se rendre compte qu'au niveau même d'une seule entreprise, il y a énormément d'environnements différents. Donc, ce que l'on va devoir appliquer, il n'y a pas de méthode unique. C'est-à-dire, ce qu'on va appliquer, il faut que ça s'adapte. Et ceux qui connaissent, c'est souvent ceux qui sont dans le terrain, ceux qui connaissent les méthodes efficaces, une fois qu'on est d'accord sur l'orientation, c'est ceux qui sont sur le terrain. Donc, c'est des choses qu'on a pratiquées, qu'on a testées, et on a vu des résultats, et j'y viendrai tout à l'heure sur des exemples, qui sont vraiment, j'allais dire, impressionnants. Et quand on voit ça, on se dit, mais effectivement, il faut qu'on aille un peu plus loin dans cette voie-là. Je crois que l'importance aussi, c'est… Ah, on a un petit problème technique. Alors, je vais rappeler Hélène, ne vous inquiétez pas. Elle va se reconnecter simplement parce que je pense qu'il y a un problème… avec le… Voilà. Voilà, c'est bon, Hélène. Je crois que vous m'avez perdu quelques secondes. Voilà, je vous ai perdu quelques secondes. Voilà, exactement. C'est les joies du direct. Ouais, ce que je disais aussi, c'est que la force comme ça de ces méthodes collaboratives, c'est que vous avez derrière des collaborateurs ambassadeurs vis-à-vis des clients. On parlait tout à l'heure des clients. N'oublions pas que nous avons des clients. C'est d'abord ça. L'objectif, c'est bien de les servir, de leur apporter les meilleures solutions. Et quand vous faites participer vos collaborateurs et quand vous les écoutez sur notamment des prises de décision ou des mises en place de solutions pour répondre à des questions, finalement, vous avez des gens qui sont non seulement engagés, mais qui adhèrent à ce que vous faites et qui, parce qu'ils ont aussi l'impression de donner du sens à leur action, sont, je l'ai vu, pour le coup, je vois un certain nombre de choses, très engagés dans l'entreprise. Donc, je crois que c'est… Pareil. Je vais demander à Hélène de se reconnecter parce qu'a priori, elle est déconnectée. Et encore une fois, les joies du direct. Oui, Hélène, voilà, c'est bon. C'est bon, je suis revenue. C'est bon, vous êtes revenue. Très bien. Alors, du coup, La transition, c'était qu'effectivement, donc, première chose, les changements de paradigme, vous expliquiez que ça s'était déjà inscrit, que vous aviez testé des choses, en fait, et que c'est comme ça que vous avez cet acheminement, en fait. Et que vous le faisiez à la fois pour vos collaborateurs et puis après effectivement pour vos clients qui faisaient partie aussi de cet écosystème et de cet accompagnement que vous menez. Donc vous avez parlé, Hélène, de première chose, le pourquoi. Le deuxième chose, comment on dirige et vous disiez il faut avoir un leadership soi-même. Et un leadership de dirigeant qui soit différent, qui change ses paradigmes. On s'appuie sur l'intelligence collective, c'est ça. Donc, l'évolution du rôle de leadership, être capable dans son leadership de créer un nouvel environnement qui permet justement le fameux empowerment des collaborateurs, en fait, et qui s'appuie sur ses collaborateurs. Donc, en gros, on n'est plus seul à exercer le pouvoir, mais on diffuse le leadership au sein de l'entreprise, en fait. C'est ça, si je comprends ce que vous nous dites. Donc, ça, c'est la première chose, ouais. Donc ça, c'est ces valeurs et ces convictions qui sont très fortes et que vous avez et que vous défendez au sein de votre entreprise. Alors maintenant concrètement, comment est-ce que vous les mettez en œuvre en fait? Comment est-ce que vous avez pu mettre en œuvre ça? C'est quoi les difficultés ou c'est quoi au contraire les réussites surtout que vous avez ouais. que vous remarquez? Qu'est-ce qui vous encourage à continuer Alors, peut-être juste dernier point avant d'arriver sur ce qu'on a pu mettre en place. Je crois aussi qu'il y a une petite révolution dans le travail et dans l'attente de nos collaborateurs qui, de plus en plus, attendent du sens, attendent de l'épanouissement. C'est-à-dire qu'ils viennent plus uniquement chercher une rémunération, ils viennent, alors,
Certains même cherchaient pour probablement de l'impact, d'autres cherchaient à se réaliser. Et je pense que c'est vraiment l'axe du travail dans les années à venir. Et donc, si on veut attirer des collaborateurs, si on veut garder des collaborateurs, on n'aura pas le choix que de diriger des entreprises en donnant du sens à tous ces collaborateurs et en donnant du sens à leur action, en les faisant notamment participer de manière collective, collaborative à un certain nombre de décisions. Et quelque part, la boucle est bouclée, en tout cas de mon point de vue. Alors, comment on arrive? Juste, Hélène, ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est que je trouve que il y a quelques années, on parlait de la génération Y, la génération Z, on disait ils sont différents, ils ont des attentes différentes, etc. Je crois que ce qui est aussi inclusif, c'est que vous avez raison, c'est pas qu'une attente de cette génération-là, en fait. C'est une attente de tous les collaborateurs. C'est là où, effectivement, on s'est aperçu, et je crois que le Covid a aussi fait émerger ça, c'est que c'est plus devenu juste l'apanage des générations Y. On pointait un petit peu du doigt. Moi, j'aimais pas trop quand on avait où on disait, ils sont comme ça, on les comprend pas, c'est une autre planète. Mais là, vous dites, ce sont tous les collaborateurs qui sont comme ça. Donc, c'est plus seulement les nouvelles générations. Et c'est un vrai enjeu, attirer les talents et les garder, en fait. C'est quand même un très, très fort enjeu. Alors, comment on s'y prend? Je vais peut-être témoigner de ce qu'on a mis en place, qui était au départ, qui a pu surprendre d'ailleurs, Crédit Mutuel Arkéa, qui est certes une entreprise et aussi une banque, comme on le rappelait. Donc, on s'est appuyé, comme vous le savez tous, la loi Pacte permet aux entreprises de définir une raison d'être et de l'inscrire dans leur statut. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de manière simple, hein? Définir une raison d'être, c'est quoi? Ça veut dire... Pour une entreprise, elle considère que son objectif n'est plus d'augmenter son résultat ou sa rentabilité chaque année, mais est d'avoir un impact positif sur l'environnement, sur la société. Quand on dit un impact positif, c'est par exemple créer des emplois, c'est par exemple améliorer son bilan carbone, c'est par exemple améliorer la qualité de vie de ses collaborateurs, c'est par exemple dynamiser son territoire. Donc, c'est dire l'objectif, la finalité de l'entreprise, et c'est quelque chose de très nouveau, hein, puisque les entreprises, chaque année, quand elles vont en assemblée générale, le dirigeant, il vient rendre compte de son résultat financier, et c'est là-dessus, quelque part, que la pertinence, d'ailleurs, d'une stratégie est souvent évaluée. Et ça, c'est le cas pour les entreprises cotées. J'allais dire, c'était un petit peu le cas aussi pour les entreprises coopératives comme nous. On venait chaque année avec un compte de résultats, un bilan pour démontrer que la stratégie mise en place avait réussi. Et en fait, on a décidé, effectivement, ça nous a beaucoup intéressé, cette démarche de raison d'être, puisqu'en fait, on s'est dit, mais finalement, ton groupe coopératif, c'est déjà ce que l'on fait. C'est-à-dire, on ne prend pas toutes nos décisions pour des raisons économiques, mais on les prend aussi pour d'autres raisons. C'est-à-dire, on est fiers de dire qu'on crée de l'emploi dans les territoires, qu'on améliore la qualité de vie, la vitalité de nos territoires. Et c'est ça, finalement, qui nous rend le plus fiers d'ailleurs. Et le résultat économique n'est qu'un moyen au service, finalement, de cette ambition beaucoup plus large. Et donc, cette raison, donc on s'est dit, il faut qu'on définisse une raison d'être, qu'on la fasse valider en Assemblée générale. Et donc, chaque année en Assemblée générale, on va aller vers nos administrateurs pour leur dire non seulement voilà le résultat économique, mais voilà tout ce qu'on a fait en termes d'impact. Et voilà comment maintenant on prend nos décisions, voilà comment maintenant on s'évalue. Et cette raison d'être, on aurait pu, je pense qu'on serait arrivé probablement à un texte très, très porteur aussi, on aurait pu l'écrire à 3-4 dans un bureau. On n'a pas fait ce choix-là, on a fait le choix de développer une méthode collaborative. Donc ça a pris du temps. Donc collaborative, pour dire, il y a plus de 2000 collaborateurs et administrateurs qui ont participé. Donc, on a fait des groupes, différents groupes. On a ouvert, en fait, en proposant aux collaborateurs qui étaient intéressés de travailler sur ces sujets. Et les sujets, c'était de réfléchir, alors vraiment un temps vraiment inspirationnel, un temps de réflexion, de je ne sais pas si c'est un pas de côté, prise de hauteur au niveau de l'entreprise, j'allais dire, entité morale, hein, comme on peut le faire un petit peu, un temps d'introspection à titre personnel. Et donc, l'idée, c'était de dire, mais finalement, qu'est-ce qui fonde notre spécificité, notre singularité, d'abord dans l'histoire, ensuite aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on veut être, à quoi on veut contribuer demain, quelle est entre guillemets notre mission en tant qu'entreprise coopérative, en tant que banque coopérative ancrée dans les territoires. Et donc, on a, vous imaginez, énormément de matière. Alors, ce qui est intéressant aussi dans la méthode, c'est, je parlais tout à l'heure, de permettre à chaque talent de s'exprimer. On a utilisé deux choses, les mots, mais aussi des dessins. C'est-à-dire, on a fait dessiner les gens en leur disant comment vous dessineriez finalement à quoi on sert. Et ce qui est intéressant, c'est que pour une banque, il y a deux dessins qui sont beaucoup revenus et qui m'ont beaucoup marqué, c'est un cœur et un arbre. Donc, le cœur, c'est pour une banque, encore une fois. Je pense que c'est l'enjeu de l'humain, la solidarité,
de la vie aussi, probablement. Et puis, c'est l'arbre, c'est là aussi la vie, mais c'est le côté, on a des racines très fortes et c'est important, on a des valeurs, on a une histoire, on a une culture, et en même temps, on est hyper moderne, et en même temps, on est tourné vers l'avenir, vers le futur. Et c'est dire, c'est finalement, ce qui est le plus marquant, c'est ces deux dessins, et c'est dire, c'est, même parfois dans une banque, le fait de dessiner, c'est peut-être ce qui parle le plus, j'allais dire, à tout le monde. Et à partir de là, on a écrit en fait un texte, donc on a eu beaucoup effectivement de matière. Donc à un moment, on s'est remis en petit cercle forcément un peu plus réduit. Et donc on a écrit un texte, donc qui est la raison d'être du groupe, hein, qui a été validé en assemblée générale, et qui ensuite a, de la deuxième étape, ça a été de construire un plan stratégique à partir de cette raison d'être. Et cette raison d'être, si je la résume, elle est assez longue parce qu'en fait, on a eu beaucoup de matière, hein, et donc on a souhaité vraiment j'allais dire traduire tout ce qui nous était remonté. Donc elle pose une vision, hein, du monde qui est de dire on veut être acteur, hein, dans un monde qui se construit sur le long terme et qui intègre donc c'est les enjeux environnementaux, sociétaux. Ensuite on est au service de nos clients des territoires et au service de leur réalisation. Ce qu'on veut, c'est l'épanouissement de nos clients finalement et de nos territoires. Et pour ça, on incarne une entreprise avec des valeurs fortes qui sont des valeurs éthiques, de solidarité, d'inclusion. Et on va essayer de trouver des solutions innovantes pour répondre à ces attentes, à ces clients. Voilà la raison d'être qui a été présentée en assemblée générale. Et ensuite, j'allais dire que je parlais tout à l'heure d'une petite révolution, c'est vraiment le cas, c'est-à-dire que ça va nous forcer à réfléchir, décider, nous évaluer différemment. Et donc, la deuxième étape, cette raison d'être pour prendre corps avait besoin d'un plan stratégique et quelque part d'une culture d'entreprise aussi, c'est important. Donc, le plan stratégique, on s'y est attelé l'année dernière. Pour le mener, la première étape a été de dire, là aussi, on voulait qu'il soit à la fois concret et élaboré de manière collective. Donc, les deux vont de pair d'ailleurs. C'est-à-dire, plus pour être concret, plus on fait travailler les gens du terrain, plus on arrive à des initiatives concrètes qui parlent et qui montrent que ce qu'on dit, ça se traduit dans les actes. Donc, pour élaborer ce plan stratégique, on a dressé un cadrage très général. Hein, c'était un petit peu la deuxième étape. La première étape, donc aspirationnelle avec cette raison d'être. La deuxième étape, qui était le cadrage, qui était de dire quels sont nos atouts. Ce cadrage, c'était de dire quels sont les atouts sur lesquels on va essayer de se baser, qu'est-ce qui a fait la réussite finalement de notre entreprise jusqu'à présent, mais aussi quelles sont nos contraintes. On est une banque, on a quand même des contraintes, notamment on est une activité extrêmement régulée, on a des exigences aussi de rentabilité à court terme. Donc, quelles sont nos contraintes, quelles sont nos forces. Et à partir de là, on a déployé, descendu, j'ai demandé aux différents dirigeants de travailler avec leurs équipes à l'identification d'initiatives très concrètes qui allaient être lancées pour bâtir en fait le plan stratégique. Donc on a remonté aussi les casiers, ça a pris forcément un petit peu de temps aussi. Et à partir de là, on a bâti un plan stratégique pour les 4 prochaines années avec 4 axes clés, hein, très transverses, et puis 5 leviers d'action, puisqu'en fait on s'est rendu compte de dans ce qui remontait, il y avait effectivement les axes stratégiques, business, et il y avait aussi beaucoup de sujets autour de la manière de faire. C'est-à-dire, on avait beaucoup de sujets autour de l'expérience collaborateur, l'expérience administrateur, mais également le fait d'être exemplaire. C'est-à-dire, oui, on veut accompagner nos clients. Pour accompagner nos clients, il faut que nous-mêmes, on soit exemplaire. Donc, à la fois des orientations business et à la fois des orientations sur la manière et la manière de faire en tant qu'entreprise. Donc ça, c'était la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est maintenant on déroule. Donc en fait, les équipes, j'allais dire, déroulent les différentes initiatives. On a forcément eu un temps de sélection pour justement, cadencer dans le temps les différentes initiatives au regard des contraintes par ailleurs que l'on avait au niveau, j'allais dire, économique et financier. Maintenant, on déploie ce plan stratégique, j'allais dire, pas à pas. Et on essaye de le faire de manière très, très coordonnée. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette méthode, ça nous a permis d'avoir un plan à la fois cohérent avec ce que l'on est, ce que l'on veut être, assez concret, hein, puisqu'on a plein d'initiatives qui viennent du terrain, et en même temps, porté de manière collective. Donc, souvent, quand je demande aux collaborateurs, mais ça vous parle, etc., souvent, on me dit, mais en fait, comme ça fait longtemps qu'on travaille sur le sujet, comme on a été sollicité, en fait, oui, ça nous parle. Maintenant, il faut qu'on déploie, on vient de démarrer. Hein. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a challengé ce plan à la fois avec des clients et à la fois avec des collaborateurs qui n'avaient pas pu participer aux ateliers. Et on a d'ailleurs adapté quelques thématiques. Et ce qui nous est vraiment remonté, c'est d'abord, c'est un plan qui vous ressemble. Ensuite, c'est un plan qui respire la vie et l'humain. J'étais assez marquée par cela parce que je trouve que c'est assez intéressant. Ça résonne aussi avec le cœur et l'arbre qu'on a beaucoup vu dans la raison d'être.
Et puis, le troisième point, c'était dire maintenant, on attend des actes. C'est, votre point est super, maintenant, allez-y. Donc on en est à cette phase-là et je suis effectivement convaincue que la différence, on la fera par la preuve, sachant que les discours, c'est important, mais voilà, la différence, elle sera faite par la preuve et donc on s'y attelle, on s'y attache à démontrer qu'on fait ce que l'on dit. Alors, je trouve que c'est intéressant, vous parlez des trois étapes, Hélène. La première, aspirationnelle, on travaille sur la raison d'être, parce que c'est quand même ce que je trouve que c'est très, très intéressant, l'histoire du cœur et de l'arbre, en fait, les racines, en fait, et des ailes, en fait, hein, puisque le cœur est le cœur en soutien au service, etc. Et comme vous dites, pour une banque, ça fait partie des choses, des croyances qu'on peut avoir, mais c'est ressorti, cet aspect humain. Donc, c'est ce qui vous a marqué. Deuxième chose, c'est le cadrage. Mais définition d'un cadrage, mais de manière collective, c'est-à-dire en appréciant. Alors, nous, on accompagne avec l'appréciative inquiry, mais c'est exactement ça. J'apprécie les forces de l'entreprise, c'est-à-dire je m'appuie sur ce que je fais bien. Est-ce que par rapport à ça, vous avez des choses qui vous ont marqué, au même titre que vous avez dit tout à l'heure sur l'arbre et le cœur, est-ce qu'il y a des petites choses qui vous ont marqué de ce que qui sont vos forces, en fait, qui sont ce que vous faites déjà bien, en fait, et qui fait sur lesquelles vous pouvez vous appuyer? Bien sûr. Alors, dans les forces, je crois que ce qui est vraiment ressorti, c'est la singularité du modèle du Crédit Mutuel Arkéa dans le paysage bancaire français. C'est-à-dire, la particularité de ce groupe, c'est que c'est une banque de taille intermédiaire. Alors, on n'est pas petit, hein, on est à près de 170 milliards de total bilan, 2 milliards de revenus de PNB depuis quelques années, un résultat de plus de 300 de manière normative. Hop, j'ai perdu encore Hélène, elle va revenir. Voilà. C'est bon Hélène, je vous avais reperdu. Vous en étiez dans les chiffres, voilà, oui, c'est pas une petite. Voilà, donc c'est un groupe de taille intermédiaire et ça nous permet quoi cette taille intermédiaire? Je crois que ça nous permet d'être agile. Et être agile, c'est quoi? C'est-à-dire nous adapter, on sait qu'on a un monde qui bouge en permanence et de plus en plus vite. Et en fait, cette agilité, cette taille intermédiaire, elle nous permet d'infléchir. Et je crois que c'est ça qui est important. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure d'équilibre. L'équilibre, c'est pas statique. L'équilibre, c'est bouger avec le monde. C'est s'adapter, c'est le monde bouge. Et celui qui réussit, c'est celui qui s'adapte. J'en suis aussi absolument convaincue. Le deuxième point très fort qui est ressorti, c'est l'ancrage territorial, la proximité. En fait, cet ancrage, c'est quoi? C'est la proximité avec nos clients. C'est aussi ce modèle coopératif qui fait que, en fait, nos administrateurs sont des représentants de nos clients. Donc, partout dans la gouvernance, on a nos clients en permanence, j'allais dire, en face de nous. En tout cas, on pense clients en permanence parce qu'on a nos clients au conseil d'administration. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Je parlais tout à l'heure de notre capacité à faire du sur-mesure et d'être très pragmatique. Ça passe aussi par là. Ce qui est très fort aussi, c'est toute la dimension innovation, hein, c'est de dire, on a beaucoup parlé de l'humain, mais on voit bien que c'est l'innovation aussi qui va nous apporter les clés de la solution pour demain. On voit bien que le numérique, le digital dans la crise qu'on vient de passer a été essentiel. C'est bien en trouvant des solutions nouvelles qu'on va avancer aussi demain. Donc voilà un petit peu ce qui est ressorti, puis bien évidemment tout l'humain, les valeurs autour de la solidarité, autour de l'inclusion, autour de l'éthique dans les affaires. Donc ça, c'est des choses extrêmement fortes qui sont ressorties et qui font écho bien sûr à notre modèle coopératif. Et in fine, en fait, ce qui était intéressant, notamment après beaucoup d'échanges que j'ai eu avec nos administrateurs, c'est ce qui nous a paru assez évident, c'est la modernité en fait du modèle coopératif. En disant comme ça peut paraître un peu, je sais pas, ringard. C'est déjà des choses que j'ai entendues, donc je le dis. Mais c'est un modèle donc qui a le temps long ancré, puisqu'effectivement on n'est pas coté, on donne pas des comptes tous les 3 mois, tous les ans devant des actionnaires. On a des administrateurs qui ont le temps long ancré. Encore une fois, on est en proximité, ancré dans les territoires, c'est-à-dire dans le concret, dans la vie réelle. Voilà. Et puis, on a l'humain. L'humain, quand je dis l'humain, c'est aussi le territoire, la vitalité et un modèle très décentralisé. Je crois aussi beaucoup à ça, la décentralisation, là aussi, pour être bien ancré dans le terrain, c'est souvent bien important. Et en même temps, on est hyper innovant. Donc voilà, cette modernité du modèle coopératif, je crois que c'est quelque chose qui est devenu une évidence. Et en réalité, on s'est même dit que finalement, toutes ces thématiques de raison d'être, c'est quelque chose... On faisait un peu du monsieur Jourdain, de la Proust sans le savoir, c'est-à-dire qu'en fait, on avait ça un peu en nous, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de décisions qu'on prenait pour des raisons pas du tout économiques. Par exemple, le fait d'avoir des collaborateurs qui restent extrêmement longtemps en groupe, on est attaché à ce que les collaborateurs puissent, on sait que les gens, au moment,
sont pas, on peut avoir un peu des accidents de parcours, et ben c'est pas grave, on regarde, on trouve des mobilités, et puis on accepte que les gens voilà, restent et se reboostent. Enfin, c'est des exemples comme cela. On est très fiers de pouvoir recruter, on est très fiers de pouvoir ouvrir nos entreprises aux stagiaires, aux alternants, et tout ça parce que ça participe de notre rôle aussi dans la société. Voilà, cette modernité du modèle coopératif est ressortie de manière flagrante dans cet exercice-là. Et vous avez raison, parce qu'on pourrait penser que c'est un ancien modèle, en fait, vieillissant, et en fait, vous avez redoré, c'est quelque chose qui revient et qui a finalement, qui montre toute cette force, en fait, et cette puissance, puisque ça fait partie des points forts que vous relevez, ouais. Extrêmement intéressant, donc, dans ces modèles-là, et extrêmement d'actualité. Je vous parlais d'engagement des collaborateurs. Je trouve que dans la démarche que vous avez eue, c'est extrêmement intéressant parce que vous êtes en train de dire que comme vous avez fait participer tout le monde a été engagé dans le projet, donc ce qui évite d'avoir une communication juste descendante et de communication comme on a l'habitude de faire, on avait l'habitude de faire dans les entreprises où on communique et on dit aux gens maintenant, allez-y, transformez-vous, enfin, et en transformant l'entreprise. C'est que comme ça vient en bottom-up, en fait, j'allais dire, du collectif, les gens sont déjà engagés. Et vous le disiez tout à l'heure, ils vous disent même, bon, bah, alors maintenant, on y va. Quand est-ce qu'on y va, quoi? Parce qu'il faut qu'on déploie. Donc, c'est extrêmement intéressant d'avoir, que vous disiez aussi que par cette démarche que vous avez faite, en fait, d'abord de donner du sens, ensuite de pouvoir faire participer le collectif dans le cadrage, dans la stratégie, eh bien, ça permet déjà d'avoir engagé des collaborateurs dans cette démarche-là. Ils sont déjà dedans, en fait. Voilà, alors... il y a beaucoup de choses qui fonctionnent, il y a beaucoup de choses qui prennent un petit peu de temps, donc voilà, faut aussi, enfin ça suppose aussi, on y travaille d'ailleurs, de réfléchir à des nouvelles formations managériales, voilà, d'embarquer aussi tous nos managers vers d'autres manières aussi d'encadrer, d'animer les équipes. Donc on n'est pas arrivé encore au but, hein, mais en tout cas il y a beaucoup de choses qui déjà bougent, et effectivement le fait de travailler de manière collaborative, ça permet en fait à chacun, ce que je disais tout à l'heure, à la fois d'être ambassadeur et d'être engagé. Je crois qu'il y a un point aussi qui est important, puisqu'on parle à la fois de laisser s'exprimer des singularités, et en même temps, on voit bien qu'il faut en permanence s'accorder sur l'essentiel. On ne peut pas non plus, chacun, enfin, dans une entreprise, il y a aussi des règles, évidemment, et je crois que c'est en permanence l'équilibre entre voilà, bien poser l'essentiel qui est aujourd'hui posé par cette raison d'être, le plan stratégique, et c'est à l'intérieur de ce cadre que s'expriment les singularités, donc vraiment dans la mise en œuvre et dans la capacité à trouver des solutions innovantes et adaptées aux réalités du terrain. Ok, donc ça c'est en interne, Hélène, est-ce que vous pouvez nous dire justement le passage, c'est ce que je disais en introduction, comment ça se traduit en termes de proposition de valeur vis-à-vis de vos clients, en fait? Alors, parmi des engagements que l'on prend vis-à-vis de nos clients, je parlais tout à l'heure de l'accompagnement des transitions, c'est justement d'accompagner nos clients dans leur transition. Et donc, par exemple, je prends l'exemple des entreprises, hein, c'est-à-dire que quand on a un financement auprès des entreprises, ce qu'on souhaite surtout, c'est les accompagner dans leur transition, les accompagner dans ce plan qui leur permet de prendre en compte les enjeux sociétaux, environnementaux dans leur modèle d'affaires. Et donc, c'est en étant en proximité, à l'écoute et en leur trouvant des clés, des solutions et pas uniquement un financement. Donc, c'est en étant vraiment, en proximité, en apportant des solutions. Parfois, des solutions, d'ailleurs, on les apporte avec ce que l'on sait faire, mais on est aussi en capacité d'apporter, proposer des solutions faites par nos partenaires. C'est aussi quelque chose qui est très important au cœur des mutuelles RKS. On travaille aussi avec d'autres. Parfois, on n'a pas la solution en interne. Dans ce cas-là, on n'hésite pas à aller proposer des solutions faites par d'autres acteurs. Donc, c'est vraiment... C'est, et puis, c'est cette notion de laisser du temps au temps, c'est-à-dire de ne pas être... j'allais dire radical dans la mise en œuvre, mais parfois on voit bien que pour mener une transition, ça se fait pas du jour au lendemain, il faut adapter un certain nombre de choses, ça prend du temps, et c'est important d'avoir cet élément-là en tête. Et donc, souvent, les discussions de plus en plus hein, qu'on a avec nos clients, et ça, c'est quels que soient les types de clients, qu'ils soient particuliers, professionnels, c'est qu'on sent que de plus en plus, la société, encore une fois, le client, le salarié, a besoin de sens dans ce qu'il fait. Et voilà, je crois vraiment à ça et en tout cas, je le constate au jour le jour. D'accord. Et avec vos clients, vous êtes,
Est-ce que, parce que là, on va parler des dirigeants d'entreprise, hein, parce que vous êtes positionné, je pense, sur un segment PME-ETI, hein, si je ne dis pas de bêtises. Vous sentez qu'il y a une prise de conscience ou vous êtes obligé de convaincre, vous apportez en disant, bah, écoutez, nous, on accompagne ça, ou est-ce que les gens viennent justement parce que vos clients viennent parce qu'il y a une résonance par rapport à ce qu'ils veulent porter, en fait? Je pense que de plus en plus, il y a une résonance et de plus en plus, ils sont intéressés par, je parlais tout à l'heure de cette raison d'être qui est quelque part un assemblage. Ah, on ne vous entend plus, Hélène. Je me permets de vous. Hop. Donc, on va attendre qu'Hélène revienne. Voilà, c'est mieux. Allez, Hélène. Donc, il y a une résonance. Il y a une résonance et il y a une attente de plus en plus forte de la part de nos clients, encore une fois, de donner du sens à ce qu'elles font et du coup, de travailler avec des acteurs qui leur ressemblent. Les discussions, d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant, se font plus nécessairement que sur le prix, mais bien sur tout ce qui va autour et sur, j'allais dire, l'ambition stratégique de travailler sur une performance globale, à savoir et à la fois économique, mais surtout maximisation des impacts extra-financiers que l'on peut collectivement avoir sur la société, sur l'environnement. D'accord. Est-ce qu'à votre avis, demain, il va y avoir, je parle à la banque, il y aura des indicateurs extra-financiers, justement pour mesurer l'impact, plus seulement la valeur financière, mais la richesse humaine? Alors oui, je le pense. C'est des choses extrêmement compliquées. Il y a beaucoup de gens dans des très hautes sphères qui travaillent sur ces sujets, ça c'est clair. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà des manières de mesurer. Il y a déjà des cabinets spécialisés qui ont cette capacité, en analysant tous les documents fournis par les entreprises, à donner ce qu'on appelle des notes qui permettent d'évaluer. À un moment, une note, c'est un chiffre qui progresse ou qui régresse. Donc ça donne quand même un ordre d'idée. Donc il y a déjà des cabinets, on travaille, nous, des cabinets pour effectivement se faire évaluer et vérifier qu'on progresse. Et ensuite, effectivement, c'est intéressant cette question. Aujourd'hui, il n'y a pas de méthode universelle, il n'y a pas de norme comptable, si je puis dire. Et je pense que la prochaine étape, c'est effectivement, aujourd'hui, on a des normes comptables qui viennent, entre guillemets, sanctionner à la fin de l'année, savoir un bilan à compte de résultats et regarder économiquement en euros ce que ça fait. Et souvent, d'ailleurs, la pertinence d'une stratégie, on va l'évaluer à l'aune de ce résultat comptable. Je pense que demain, alors est-ce que c'est demain, après-demain, je ne sais pas, mais je pense que ça va arriver. Il va y avoir des normes extra-financières qui nous permettront, et c'est un enjeu fort, hein, de transformer en euros, puisqu'en euros, je pense que tout le monde comprend, les impacts extra-financiers, puisque quand on dit impact extra-financier, finalement, c'est quoi? C'est les externalités, qu'elles soient positives ou négatives, hein, qu'une entreprise génère et qui n'est pas mesurée, en fait. C'est-à-dire, quand une entreprise crée de l'emploi, qu'est-ce que ça génère? Bah, ça génère que peut-être des personnes vont sortir du chômage. Donc, la collectivité ne devra pas verser des indemnités chômage. Donc, en faisant cela, l'entreprise, elle, rend un service à la collectivité. Comment je fais pour évaluer ce service? Donc, en interne, chez Crédit Arcane, ne voyant pas tellement venir ces sujets, on s'est dit, on va nous réfléchir à une méthode pour se fixer une trajectoire. Et donc, on travaille avec d'ailleurs des cabinets d'audit, hein, puisque c'est important dans ces cas-là d'être audité, pour mesurer justement en euros ces externalités positives et négatives, activité par activité. Et l'objectif, c'est de nous fixer une trajectoire de progrès. Alors, l'idée n'est pas de dire les activités qui aujourd'hui, puisqu'on a des activités qui aujourd'hui forcément des externalités plus négatives que les autres, on ne dit pas qu'on veut les arrêter, on dit qu'on veut être en accompagnement et donc en considérant qu'en accompagnant nos clients dans leur transition, nous aussi finalement on va avoir cet effet de levier, on va augmenter notre externalité positive. Voilà. Et donc, in fine, ça la permet de dire finalement j'ai un résultat comptable, économique qui va rester, plus je vais avoir ces données extra-financières, et c'est bien l'ensemble que je vais regarder, et c'est l'ensemble qui m'intéresse, et l'objectif, c'est bien d'avoir une performance globale qui progresse. Et pour vous dire si c'est un sujet qui est important, c'est que c'est un sujet qui est porté par la direction financière, c'est pas un sujet qui est traité à côté, c'est un sujet qui est porté par la direction financière, et donc qui va dérouler dans toute l'entreprise, et qui permet en fait de garantir cet équilibre, parce que je pense que cette notion d'équilibre est absolument essentielle dans les entreprises, encore une fois économique à court terme et à plus long terme, quel l'impact plus globalement à l'entreprise dans la société. D'accord.
Donc, on devrait avoir ces indicateurs. C'est aussi une chose, parce que comme vous dites, ça va l'ancrer dans le réel et ça permettra encore plus de faire en sorte que si vous êtes entreprise, enfin entrepreneur et on est dirigeant, et on voit bien ce que c'est, si vous êtes à la fin de l'année, à la Banque de France, vous faites les cotations, etc. Là, ça veut dire que demain, on va aussi mettre encore plus ancré dans la réalité et inciter plus les entreprises parce qu'elles seront évaluées sur leur performance, enfin en tout cas sur leur performance sociale, sociétale et environnementale. Alors il y a déjà alors avant qu'on arrive à une norme comptable, je pense qu'il y a un peu de autant il y a déjà un certain nombre de choses qui existent, hein, c'est-à-dire la prise en compte de ce qu'on appelle les critères ESG, environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Les investisseurs prennent en compte ces critères-là. Il y a les entreprises d'une certaine taille publient ce qu'on appelle un rapport extra-financier. Donc, dans le rapport extra-financier, on vient expliquer justement dans le modèle d'affaires comment on prend en compte ces différents enjeux, quelles sont les méthodes. Et pour l'instant, c'est plus, j'allais dire, du littéraire ou activité par activité, sans que tout cela soit finalement uniforme, ou les comparaisons restent encore un petit peu compliquées, en fait. C'est ça la difficulté. C'est un sujet d'ailleurs qui est extrêmement complexe. Exactement. D'accord. Bon, très bien. Donc ça, c'est comment vous l'avez mis en œuvre et quelle est la proposition de valeur que vous faites par rapport à vos clients. Une troisième thématique, c'est… on revient sur la thématique du leadership et sur la particularité que vous êtes, parce que je vois qu'il y a des questions qui disent des questions sur le leadership, est-ce qu'il y a un leadership féminin, un leadership masculin, comment est-ce que vous exercez le leadership, et là je vois les participants qui sont en train de se dire oui mais non, il n'y a pas de genre, etc. C'est quoi votre perception, vous exercez effectivement, c'est quoi la singularité, est-ce qu'il y a un leadership au féminin ou pas? Est-ce qu'on exerce différent quand on est une femme au sein d'une banque ou quand on est un homme au sein d'une banque? C'est quoi vos convictions par rapport à ça, Hélène, et votre expérience? Alors, effectivement, j'ai eu quelques questions sur le sujet. Alors, je suis toujours un peu gênée par le côté, est-ce que c'est un leadership féminin ou est-ce que c'est la part féminine de chacun qui est entre nous? Je ne sais pas. En tout cas, mes convictions par rapport à ça, en tout cas, ma manière d'exercer le pouvoir. Alors, la première, je réfléchis forcément un petit peu à cette question. La première chose, quand même, je pense, qui est un peu différente, je crois que traditionnellement, le pouvoir, et notamment dans les banques, a plutôt été exercé par des hommes et de manière seule. La première chose que j'ai faite, moi, en étant nommée il y a un an, c'est j'exerce le pouvoir pas seule. Il se trouve que j'ai une directrice générale déléguée qui a les mêmes pouvoirs que moi, la même responsabilité, qui a aussi un mandat social, donc qui a été nommé par le conseil d'administration. Et on partage les décisions de l'entreprise, on échange énormément. On est totalement aligné sur la vision, mais en même temps très différente dans nos personnalités, donc ce qui permet vraiment ce challenge qui est extrêmement positif. Et je crois que ça, c'est une vraie différence. Donc, ça rejoint la conviction de la force du collectif et du collaboratif. Et je pense que, en commençant par le faire tout en haut, c'est comme ça qu'on est plus aussi légitime dans le fait de le demander ensuite à nos collaborateurs. Et tout ça, c'est un petit peu, j'allais dire, les poupées russes, puisque on échange extrêmement régulièrement. La deuxième acte qu'on a assez fort, que j'ai pris, c'est que j'ai aussi nommé deux autres directeurs généraux délégués, des hommes aussi, parce que je suis attachée à la mixité, et la mixité, c'est pas que forcément des femmes, donc qui sont extrêmement complémentaires, là aussi très différents de nous. Et donc, on échange aussi régulièrement sur un certain nombre de décisions structurantes et surtout sur un certain nombre de sujets transverses de fond. Et là aussi, je mesure l'importance du partage, de l'échange. Ce n'est pas toujours simple de se mettre en posture vraiment d'écoute, c'est-à-dire d'arriver, on a tous forcément un moment son avis, donc d'arriver en vraie écoute attentive, c'est-à-dire sans avoir son idée dans la tête et en faisant semblant, mais vraiment en se disant j'arrive avec une problématique et je suis vraiment là pour entendre la manière dont chacun va le percevoir et ensuite essayer de me faire la meilleure opinion de la situation pour prendre la meilleure décision. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, j'ai un COMEX qui on se réunit toutes les semaines. Et là aussi, au maximum, je me positionne dans l'écoute. Je propose à chacun de participer, c'est-à-dire de s'exprimer sur les différents sujets. Là aussi, c'est pas toujours simple. Souvent, quand on veut aller vite, c'est souvent beaucoup plus simple de décider tout ça quand on veut aller vite. Après, je ne fais pas ça sur toutes les décisions, mais toutes les décisions essentielles, en tout cas, sont vraiment partagées.
Je pense que ce partage de pouvoir, il est absolument essentiel. Moi, j'y crois fondamentalement et je trouve en plus que alors, ça donne de la sérénité. J'allais dire, ça donne du confort, ça donne de la sérénité. En tout cas, pour moi, c'est une vraie source de plaisir. C'est pas simple hein, de diriger une entreprise de cette taille dans l'environnement qu'on connaît. Voilà, on a des décisions qui sont souvent compliquées à prendre. On a parfois la moins mauvaise décision, la moins mauvaise option à choisir parce qu'on est dans des situations où il n'y a pas forcément une bonne option. Ça arrive aussi. Et en fait, le fait de vraiment le faire, d'être entouré hein, et de travailler, alors ça, c'est le corollaire. Hein, c'est que à partir du moment où on fonctionne comme ça, forcément, c'est basé sur la confiance. Confiance, respect, écoute, ça va de soi puisque ça n'existe pas. Ce que ça veut dire aussi, c'est que, je ne sais pas si c'est l'humilité ou accepter d'être aussi vulnérable, en tout cas pas parfait en tant que leader, ça passe aussi par là, c'est-à-dire c'est partir du principe, et je suis bien convaincue de ça, que sur un certain nombre de sujets, l'expert, c'est pas moi l'experte, par contre ce sont bien mes collaborateurs et j'ai en tout cas essayé de m'entourer de personnes qui sont très différentes de moi, donc qui n'ont pas forcément le même avis que moi sur les choses ou sur ce qui se passe et voilà, donc ça c'est assez exigeant hein, parce que ça oblige à se remettre aussi en question régulièrement hein, ça oblige à entendre mais donc je pense que le premier sujet c'est ce partage du pouvoir. Voilà, que je me dis, on ne voit pas forcément toujours dans beaucoup d'entreprises. Je suis persuadée qu'il y a plein d'hommes qui pensent ça aussi. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas si c'est propre à une femme. En tout cas, ce que je constate, c'est encore une fois, traditionnellement, le pouvoir il est plutôt masculin et plutôt seul. Donc, voilà. Ça, c'est peut-être la première chose. Le deuxième sujet, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment... le plaisir à se dire on crée des environnements où les collaborateurs s'épanouissent. C'est pour ça que je vous disais, quand vous me dites que c'est mes collaboratrices qui sont allées vous chercher, ben voilà, ça me fait plaisir. Donc le plaisir de voir les gens heureux, osant les choses, de se dire que l'entreprise est un lieu où on peut se réaliser, où chacun peut se réaliser, de cette manière-là, dire que les hommes et les femmes qui sont dans cette entreprise, quelque part, donne du sens quelque part à leur vie. Je crois beaucoup aussi à la notion d'équilibre. J'en ai parlé un petit peu dans mes discours, mais quelque part au sens large, équilibre entre vie privée, vie professionnelle, équilibre entre les différentes personnalités, équilibre sur les décisions. Je crois qu'en permanence, l'équilibre, ça ne veut pas dire d'être statique. Hein. C'est sûrement pas ça. L'équilibre, c'est bouger en permanence. Parce que le monde bouge autour de nous, donc c'est un peu comme disons la marche, c'est l'équilibre, retrouver à chaque fois son équilibre, mais à chaque fois on est en déséquilibre, donc c'est en permanence, voilà, retrouver cet équilibre-là qui passe aussi par un vrai équilibre de nos collaborateurs. Et je crois là aussi qu'on a un modèle qui est assez original de ce point de vue-là. Hein. On a une centre de décision en Bretagne, on est très présent dans la région, dans la Nouvelle-Aquitaine, aussi à Paris, hein, mais je crois qu'on est attaché à ce que le cadre de vie de nos collaborateurs soit permette justement cet épanouissement et voilà. Donc, vraiment attaché à cet équilibre-là. Ça ne veut pas dire qu'on n'est que dans l'émotion. Hein. On est aussi dans l'équilibre entre le rationnel et l'émotionnel. Mais il y a aussi de l'émotion dans l'entreprise. Donc, il faut savoir entendre les deux. Il faut savoir laisser les deux types de personnalités s'exprimer. Et puis, je terminerai par quelque chose qui me tient très à cœur, c'est l'alignement. L'alignement entre des convictions personnelles et ce qu'on peut proposer, partager au niveau de l'entreprise, qui est aussi une manière, en tout cas je le prends moi comme ça en tant qu'individu, de s'épanouir et de s'exprimer. Hein, c'est-à-dire qu'on croit à des choses, on considère qu'on peut apporter des choses et finalement diriger une entreprise, c'est aussi faire vivre ses convictions, les faire partager et c'est là où, quand je disais, c'est un plaisir de voir des collaborateurs heureux, ils ne sont pas... Tout le monde n'est pas comme ça, c'est pas parfait. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer et parfois j'ai des choses qui me touchent dans l'autre sens, c'est logique. Mais en tout cas, c'est cet alignement entre ce à quoi on croit et ce qu'on essaye de donner, en tout cas au niveau de l'entreprise, cette authenticité, je pense que c'est aussi un gage de sincérité et je pense que
au monde d'aujourd'hui, il y a une vraie attente aussi de sincérité. Hélène, c'est intéressant ce que vous dites. Je retiens au fur et à mesure. Le premier point, c'est vous dites partager le pouvoir. Quelque part, hein, plus être centré sur un seul homme, mais accepter de partager le pouvoir parce que c'est une vraie force, parce qu'on n'est plus seul, et puis parce qu'effectivement, ça donne d'autres idées, ça permet de parler de sérénité. Donc, ça veut dire accepter aussi cette part de vulnérabilité, hein, quand on partage le pouvoir, c'est de se dire, je ne sais pas tout, donc du coup, je m'inscris là-dedans. Ensuite, vous parliez de rationnel, émotionnel. Et ça, c'est assez récent, hein, d'oser parler d'intelligence émotionnelle ou d'oser donner des permissions d'exprimer à la fois le rationnel. Et Dieu sait qu'une banque, comme vous disiez, ou la finance, c'est un monde de chiffres, donc on pense plutôt cerveau gauche que cerveau droit, et que cœur. Mais justement, d'aller les deux, ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose d'assez singulier. Et puis cet alignement dont vous parlez. Donc c'est ces trois. Moi, je retiens ces trois pépites, en fait, ou ces trois ingrédients. J'avais envie de vous poser la question quand c'est comme ça. Enfin, c'est quoi les permissions que vous avez données justement à vos collaborateurs ? Parce que quand c'est comme ça, ça veut dire que pour pouvoir exprimer son émotion, pour pouvoir être authentique, il faut se donner des permissions. Alors, vous êtes donné les permissions, c'était la permission de partager le pouvoir. C'est quoi les permissions que vous, quelles sont les permissions qu'il faut donner si on veut avoir un collaborateur, si on veut pouvoir avoir cet alignement, cet équilibre entre le rationnel et l'émotionnel et finalement cette recherche d'authenticité. En tout cas, si je peux prendre un exemple, alors c'est des choses qu'on essaie de développer au maximum dès que ça présente un intérêt dans l'entreprise, c'est toutes les méthodes collaboratives participatives, c'est-à-dire sur un certain nombre de sujets, on va proposer aux collaborateurs de s'exprimer et je donnais cet exemple-là tout à l'heure, par des mots, par des dessins, par exemple. Dessin, c'est probablement un peu plus, ça touche plus à l'émotion. Je pense que c'est peut-être un des exemples qui est le plus flagrant. Évidemment, ces moments d'émotion, c'est des moments qui doivent rester. Pendant ces ateliers, il y a parfois des moments forts, des gens qui se livrent, et donc c'est important que ça reste dans la confidentialité. Je pense à un autre exemple aussi qui est assez flagrant. Au niveau de l'entreprise, on a déployé une formation qu'on a appelée Tous Inclusifs aux 10 000 collaborateurs. Et qui est une formation qui vise à, sensibiliser tout le monde, donc 10 000 collaborateurs en l'occurrence, tout le monde aux stéréotypes, aux biens inconscients, au fait tout simplement qu'on ne voit pas toutes les choses de la même manière, qu'on n'est pas tout aussi sensible, qu'il y a effectivement des émotions. Et de la même manière, cette formation, elle a eu un impact extrêmement fort et énormément de collaborateurs, collaboratrices, mais beaucoup de dirigeants aussi, ont été très marqués par cette formation en disant, mais on a totalement découvert un certain nombre de sujets. Effectivement, beaucoup concernaient le fait qu'on avait tous potentiellement des perceptions un petit peu différentes, le fait qu'on n'avait pas forcément tous les mêmes postures, le fait qu'une certaine attitude pouvait vouloir dire telle ou telle chose, et en tout cas, prendre conscience, alors c'est une première sensibilisation, mais en fait, c'est prendre conscience, je crois, de les biais que chacun nous pouvons avoir. Et très honnêtement, cette formation, et on va continuer, a beaucoup, beaucoup marqué et nous a d'ailleurs fait progresser, je crois, vers plus d'inclusion dans l'entreprise. D'accord. Merci, Hélène. Est-ce que, peut-être une dernière question, avant de laisser la place aux participants qui souhaitent poser des questions, s'ils le souhaitent. Donc, je vous invite à le faire via le chat ou via les questions. Hélène, c'est souvent la question que je pose en finale et en synthèse à nos grands témoins, c'est si vous aviez un petit peu des ingrédients ou pas une livre de recettes parce que c'est difficile de donner les leçons et je sais que vous n'êtes pas du tout comme ça parce que vous avez cette humilité-là, mais qu'est-ce que vous pourriez conseiller à ce soit à vos clients dirigeants d'entreprise ou à des femmes qui voudraient devenir aussi une dirigeante d'une banque ou d'une autre entreprise, ça serait quoi les ingrédients pour pouvoir justement accompagner ces transformations que vous êtes en train de mettre en œuvre pour être vraiment calée par rapport à la complexité, pour en revenir au sujet, comment
Est-ce qu'on est simple dans la complexité? Comment est-ce qu'on dirige simple? Alors, je parlais tout à l'heure de l'alignement. Je pense que la première chose, c'est d'avoir, je pense qu'en tant que dirigeant, de toute façon, prendre le temps d'une réflexion personnelle sur, ça va peut-être faire ça, mais sur voilà, qui on est, ce qu'on a envie d'apporter, ce qu'on veut pour sa vie, ce à quoi on croit. Alors, c'est quelque chose que j'ai fait, en l'occurrence, j'ai eu la chance de faire du coaching et je pense que c'est important et que peut-être, voilà, c'est peut-être des choses d'ailleurs qui vont se développer dans les entreprises un peu plus largement pour les dirigeants, mais déjà en tant que dirigeant, de voilà, vraiment prendre ce temps de pause, un peu d'introspection personnelle, je pense que c'est essentiel pour savoir ce qu'on a envie d'apporter à l'entreprise. Ensuite, le deuxième point, c'est voilà, l'alignement, c'est évoluer dans une entreprise qui nous correspond. Enfin, j'ai la chance d'être dans cette situation-là, et je pense qu'il faut être dans cette situation-là pour pouvoir ensuite, j'allais dire, partager, proposer, déployer des dispositifs qui permettent de finalement se développer, s'épanouir à plein. Donc, je pense que c'est ce sujet d'alignement. Et puis après, enfin, ça rejoint, hein, je pense qu'il faut, certes, quand je disais, il faut être agile, évidemment, mais il faut être bien aligné sur l'essentiel et ensuite bouger. C'est-à-dire que, encore une fois, être aligné, avoir des convictions fortes, ça ne veut pas dire être statique, pas bouger. C'est vraiment deux choses. Je pense qu'il faut en permanence s'accorder sur l'essentiel, quitte à un petit peu le re-questionner, parce que, encore une fois, le monde bouge. Et ensuite, être en capacité voilà, de bouger, de s'adapter, de se donner droit aussi à l'erreur. Tout ne marche pas. Enfin, il y a aussi plein de choses qu'on essaye. Bon, ça ne marche pas, c'est pas un drame et on repart. Et je crois aussi beaucoup à la notion d'équilibre. L'équilibre, c'est propre à chacun. Et ça participe d'ailleurs de la réflexion personnelle. Hein, c'est-à-dire que être dirigeant, ce n'est pas toujours simple. Il y a des fois, on est quand même chahuté. Enfin, pour reprendre mon expérience personnelle, j'ai pris mes fonctions le 13 février. Moins d'un mois après, j'en plongeais dans la crise. Et quelle crise, j'allais dire. Donc, on a été quand même bien chahuté. Et dans ces moments-là, il faut être solide. Et je pense qu'être solide, c'est aussi avoir cet équilibre. Ça, chacun, j'allais dire, et ça, c'est pas l'entreprise qui permet. Comment dire, il ne faut pas tout attendre non plus de l'entreprise. C'est-à-dire, l'équilibre, c'est chacun sait comment il se ressource et il ne se ressourcera pas comme son collègue ou comme son voisin. Mmh. Voilà, bien se connaître. Voilà, je retombe là-dessus. C'est bien se connaître, savoir comment se ressourcer, comment être aussi solide à la fois quand ça va très bien et quand tous les feux sont verts et à la fois quand. On est plus dans des moments de tempête. C'est important d'être solide et d'être bien aligné, encore une fois, sur ses valeurs et sur ce qu'on considère, en tout cas, comme étant l'essentiel. Mmh. Ce travail que vous avez fait vous permet d'affronter plus sereinement les phases de gestion de stress intensif, en fait, pour retrouver cet équilibre et cet alignement, en fait, c'est ce qui. Je pense que oui, parce que forcément, on se pose des questions. Parfois, on est forcément un peu inquiet. Parfois, on est sûr de rien. Quand on prend une décision, on n'est pas toujours sûr de prendre la bonne décision. Parfois, je disais tout à l'heure, finalement, on prend la moins mauvaise. Hein, voilà, parfois, on peut se tromper aussi. Il faut aussi se donner le droit à l'erreur à soi-même et aux autres. Ça paraît bateau, mais c'est très important. Et voilà, je pense que quand on se connaît bien, quand on sait comment aussi se fixer ses propres limites, et ça, je pense que c'est à chacun aussi de savoir se les fixer, ses propres limites, pour, j'ai envie de dire, au moment de prendre les décisions et au moment d'être dans l'action, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise, d'être au maximum de son potentiel ou de son énergie. Très bien. Merci, Hélène. Merci. Donc, aller chercher sa force intérieure, et vous disiez, se donner la permission de se tromper, en fait. Quand on parlait des permissions, c'est bah oui, parce que c'est ce qui fait qu'on peut gagner en agilité, c'est ce qui fait qu'on peut rectifier les trajectoires, en fait. Donc, voilà. Après un an et demi de recul, sur l'exercice de cette fonction de directrice générale, je crois que, et y compris dans une banque, l'essentiel, c'est clairement de bien s'entourer et encore une fois, de travailler sur la confiance. Et en fait, c'est les hommes qui font, enfin, ça paraît évident, mais c'est vraiment la réalité, c'est les hommes qui font une entreprise. Hein, donc, voilà, si on retombe sur la valeur de l'humain,
et sur la qualité, j'allais dire, de relations qui existent en entreprise. Et donc, je pense que le dirigeant, c'est d'abord ça aussi qu'il doit mettre en place dans son entreprise pour que finalement tout le reste fonctionne le mieux possible. Super. Merci beaucoup, Hélène. C'est très, 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 très inspirant ce que vous nous dites ce matin, à la fois très pragmatique et très inspirant, en parlant de la raison d'être, en parlant de comment vous avez mis concrètement ces choses et à la fois comment vous êtes complètement aligné, à la fois intérieurement par ce que vous êtes et puis par ce que vous mettez en œuvre dans l'entreprise et ce que vous faites pour vos clients aussi. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage très, très inspirant et ce partage de cette matinale avec nous ce matin. Extrêmement intéressant de voir que effectivement le monde change et que les partenaires financiers comme vous et que comme vous le disiez les coopératives ces modèles-là permettent d'accompagner ces transformations-là en fait donc voilà merci de nous avoir fait partager cette expérience-là et ce témoignage-là qui est un témoignage qui peut inspirer de nombreux dirigeants à faire la même chose. Encore une fois, vous m'avez dit, il y a combien de collaborateurs chez vous, Hélène, en fait ? Il y a un peu plus de 10 000. Un peu plus de 10 000. Donc, ça veut dire que c'est possible dans toute taille d'entreprise, Hélène ? Oui, oui, je pense que c'est possible dans toute taille. Après, encore une fois, les choses prennent du temps. Oui, ça prend. Je n'ai pas dit que tout était parfait au Crédit Mutuel Arkéa. Les choses prennent du temps, mais voilà, je pense que les choses peuvent bouger et voilà, encore une fois, tout l'enjeu est de donner du sens à ce que l'on fait et d'être aligné entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Très bien. Eh bien, écoutez, on terminera sur ces mots-là. Alors, est-ce que j'ai des questions ? C'est pourquoi le monde anglo-saxon est très imprégné par ce droit à l'erreur ? Mais donc, il y a plutôt des commentaires et des échanges, en fait. Sur effectivement tout ce que vous êtes en train de dire sur la confiance, sur les petits pas, l'humilité et puis le temps. Et j'ai bien compris le temps, ça c'est une vraie notion et c'est bien, je crois que c'est par rapport à ce que, parce que c'est une problématique extrêmement actuelle, le temps, on manque tous de temps, on est tous en accélération du temps et je pense que ça ne va pas s'arranger. Mais justement de reconsidérer la notion de temps et se donner le temps de. Je crois que vous l'avez cité plusieurs fois, Hélène, en disant que vous êtes sur le moyen-long terme, vous êtes capable d'être sur court terme, mais avoir ça. Et je pense que ça aussi, c'est une clé qui est importante dans l'accompagnement que vous avez avec, dans l'accompagnement avec vos clients et dans l'accompagnement des transformations que vous êtes en train de mener, finalement. C'est se donner le temps au moment où on en manque le plus, où la notion d'accélération étant. Donc, ça paraît paradoxal, mais je trouve que c'est aussi une manière de réconcilier les choses, en fait, et d'inscrire les choses dans du moyen-long terme. Donc voilà, moi je retiendrai aussi cette notion de temps qui est extrêmement fondamentale. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc il faut prendre le temps de le faire et pour finalement faire un pari sur le moyen long terme et pas être contraint sur le court terme. Donc merci beaucoup Hélène, merci d'avoir participé à cette matinale. Donc un grand grand merci. Bonne continuation dans ces transformations que vous êtes en train de mener, dans ce déploiement. Et puis, merci à vos équipes d'avoir fait ce lien-là. Je le redis encore parce que j'ai trouvé vraiment que toutes vos équipes portaient ça en elles aussi. Donc, je me suis dit que si elles le portaient, vous le porteriez aussi. Et que, voilà. Et donc, merci à Sophie, merci à toutes les, à Pascal aussi, merci à Nathalie qui vous entoure d'avoir eu cette bonne idée de nous faire rencontrer, de nous faire témoigner dans ces matinales. Donc, je remercie tous les participants. Merci à vous tous d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que, effectivement, vous en avez retenu à la fois de l'inspiration, à la fois peut-être une méthode pour mettre en place dans vos entreprises. Nous, on vous retrouve donc le 14 juin prochain avec Gérald Carsanti dans une thématique qui vous sera déployée un petit peu plus précisément, mais sur lequel on va réfléchir justement à quels sont les nouveaux modèles de société pour pouvoir accompagner les transformations actuelles que nous vivons et les enjeux actuels. Donc, merci à toutes et à tous. Et puis, je vous souhaite une très, très bonne journée aujourd'hui et que j'espère ensoleiller pour la plupart parce que c'est quand même bientôt l'été. Hein. Merci. À très bientôt. Merci. Bonne journée à toutes et à tous. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.